au Cameroun. Donc, la vie était très difficile. Et en plus, je voulais rencontrer, donc retrouver mon mari qui était en Algérie. J'ai tout quitté du Cameroun pour le Nigeria, Agadez, Alit. Et nous avons pris la route pour l'Algérie. Et en cours de chemin, il y a eu des coupures de route puisque nous sommes quittés, on voyageait la nuit. Et maintenant, il fallait qu'on traverse maintenant Kano pour le Niger. Et après, nous avons trouvé encore notre passeur. Le passeur là nous a fait traverser la frontière et nous sommes arrivés à Zender. Nous avons demandé combien coûte Alit par personne. Ils ont parlé de 16 500. Nous sommes partis, arrivés, il y avait trois barrières de police. Dans les trois barrières de police, la première barrière, nous avons donné 5 000. Deuxième barrière de police, nous avons donné 5 000. C'est la dernière barrière au niveau de presque à Alit là. C'est où nous leur avons donné 10 000 francs. Nous ont fait traverser. Au désert, la traversée du désert, ce n'est pas facile. La traversée du désert, au désert, on trouvait même les corps humains, les corps séchés au désert. À Oran, la vie à Oran, ce n'était pas vraiment facile. Ils ne donnent pas de travail aux femmes là-bas. Mais on faisait avec. Après 2 ans, mon mari, il est sorti pour aller en réunion vendredi. Arrivé en route, on lui est pris. Le refoulement lui est pris. On lui a refoulé ici. Bon, il m'a demandé de supporter, d'attendre qu'il pouvait remonter et venir me retrouver. Mais par coup de malchance, un matin, je suis sorti pour aller faire du marché. Ils m'ont pris aussi. C'est là où je me suis retrouvé ici au Niger. Ça fait 5 mois, quelques jours, comme nous sommes à Agadez. Nous sommes arrivés, c'était vraiment très, très difficile pour nous. Bon, je faisais des croquettes, même si ça présente, ce n'est pas facile pour vendre, puisque les gens d'Agadez disent, si je mange et après j'ai des problèmes, je vais vous trouver où. C'est comme ça que ce n'est pas facile qu'un autochtone me fasse la recette. Ce sont les étrangers qui savent ce que c'est qui me font un peu de recettes et avec ça, je me bats un peu pour m'en sortir. Bon, nous avons rencontré un agent du CRS en ville. Bon, il nous a parlé du CRS. Le CRS nous est venu vraiment, donc il nous a beaucoup aidé. Parce qu'il nous a donné des kits, des kits alimentaires, des conseils et en plus, la santé. Je ne pense pas que nous allons rentrer. Nous allons rester à Agadez puisque comme mon mari se bat déjà, il essaie déjà de trouver des petits chantiers, il donne déjà des petits chantiers. Nous avons décidé de rester à Agadez et essayer de gagner notre vie ici.